Au début, il faisait très chaud, le match était assez difficile. On a pris un but très tôt, pas au niveau de ma part, c'est-à-dire j'ai filmé dans la surface. Mais déjà, il ne faut pas avoir de pression quand on va taper un pénalty, sinon il y a plus de possibilités qu'on le rate. Ensuite, comme c'était en début de première action, première minute du match, donc franchement, pas de pression. Quand je place mon ballon, je ne réfléchis pas. Je regarde le gardien et ça fait but, 1-0 et voilà. We'll be right back.
Après, je me suis rattrapé. J'ai égalisé sur un penalty, après on a tenu le match. C'est quoi qu'on fait? Un, deux, passe, rebalancer. Un, deux, rebalancer. Mais nous, on suivre ça. Wesley, nous, on suivre ça. Un, deux, rebalancer. Je remets le balle derrière. Et tout le monde, là, nous, on suivre le boule. Là. Lundi matin, on joue en dos. Il y a tellement de ça. Mais pour lui, c'est moins gagnant pour jouer là-bas. Jouer en dos, passe en dos, jouer là. Depuis, on joue à contrôler les gars, c'est à cheval en l'air. Depuis, on joue à contrôler Guillaume à cheval en l'air. Nous, on a petit peu de fort, les gars. C'est sûr que techniquement, ils ne vont pas laisser contrôler puis retourner. Il y a fait face nous prix. Dis là qu'a fait j'ai avec nous. À nous jouer sérieusement, c'est dis là. Il a fait j'ai, il a tombé, il a levé tout de suite les gars. À nous jouer, je vais avoir but là les gars, c'est plus facile. Depuis on bute les gars, c'est fou. Eh bien nous provoquer Asman, à nous provoquer qu'est-ce qu'il fait final, c'est bon. Parce que les gars, c'est plus facilement. À nous provoquer qu'est-ce qu'il fait final, c'est bon. Wesley, pourquoi font gros fort dans les boucles là, ou pas jamais ni bon. Mais là, ou font gros fort dans les boucles là, ou t'es dernier défenseur. Ou pas j'en touche pas. Vous laissez ça, mais c'est balancé, il y aura balancé. Moi j'en touche pas, il faut gros fort. Il y aura balancé en l'eau. Blanc quoi font faute au moins ça parce que si on dit au défenseur c'est pas bon mais ça pourrait balancer en l'eau parce que pourquoi le défenseur nous pas bon alors c'est pas balancer en l'eau et bien comme il rebalance en l'eau 1-2 il aurait balancé et bien nous sur ça là où il y a on va tout le ballon et après ça on va organiser nous va battre on va bailler soit on va faire un changement si nous là on va bailler soit des malmener nous au deuxième mi-temps. La mi-temps est passée, la calmie est passée aussi. On a repris le match, on a marqué le deuxième but très tôt. We'll be right back.
Et sur la fin, on finit, ouais, oui, on prend un but et voilà. La semaine m'a fait une passe en profondeur, puis je suis allé, j'ai fait un coucher au gardien, puis j'ai jeté du pied Alors tout d'abord, c'était un match un peu difficile pour nous. On avait l'habitude de jouer contre des équipes un peu moins faibles. Là, on est tombé sur Vrada Barry, la Resta. Après, le week-end prochain, notre gros match qui nous attend contre Racine. Ça va nous permettre de voir notre niveau. Et puis, ce match-là, il y avait beaucoup d'intensité, on va dire. Franchement, ça aurait pu être mieux. On aurait pu mieux jouer. Au début, on a bien terminé le match. Après ça, on a subi, ils ont égalisé. Après ça, on a baissé le pied. Après, ils ont remarqué, on a réussi à revenir dans le match. On aurait peut-être pu mieux faire, je pense, pour gagner, mais ça a été dans l'ensemble, je dirais. Oui, par rapport à la défaite, c'était contre Arsenal. Je crois que c'est la 4e journée. C'était une défaite qu'on ne devait pas prendre. Mais il nous manquait des joueurs, il y avait des blessés, etc. Mais là, on va essayer de rebondir, de travailler encore à l'entraînement et de voir si on va finir parmi les deux premiers. Je trouve que j'ai fait moyen match parce que j'étais un peu fatigué parce que dans la semaine, j'ai fait deux matchs amicaux avec les seniors. Mais l'objectif, c'est de, pour moi par exemple, U19, de jouer en U19, un maximum de matchs, de progresser et d'intégrer l'équipe senior. Et notre objectif principal, c'est de terminer champion U19. La Resta à un point de nous. C'était le troisième et le quatrième qui jouaient là. Ok, le troisième et le quatrième. Alors on avait devoir de ne pas perdre ce match. Et comme on sait, la Resta, l'équipe première de la Resta, comme l'équipe première de la GSVH ne joue pas ce week-end, alors on savait comme quoi c'était un match un peu, ce serait un peu difficile pour nous. Mais sachant que Rejo connaît mes gars, ils ont un peu, ils n'ont pas le mot à la zéro, ils jouent, quand il faut jouer, ils jouent. C'est pour ça que je suis toujours après eux, toujours à crier tout le temps, ils ont dit peut-être un problème, hein, toujours à crier, il ne faut pas en lâcher. Souvent lâcher, ils ont maille, ils ont reparti à la dérive. Alors c'est pour ça. On a dit premier mi-temps, là, nous faisons bon premier mi-temps. Nous ouvrons le score au grand bonnet. Nous faisons bon premier mi-temps.
Et deuxième mi-temps là, nous avons mené nous revenons au score. C'est déjà ça. Nous avons le mental là de revenir au score. Parce que match de jeunes, au point de début parfois, c'est difficile que nous revenions au score. Mais nous revenons au score, avec une application, nous revenons au score et une détermination. N'empêche que en pratique, tellement que le restant est balancé comme ça. On remarque le premier mi-temps, il a balancé en long le premier mi-temps. En plus, il a tellement resté au jeu, un petit ballon posé, un petit ballon mi-temps ou mi-temps moins. Mais on remarque le balancé en long. Il a été obligé de remanier le deuxième mi-temps par rapport à balancer là. Mais sur l'ensemble, c'était un bon petit match après-midi là. Objectif à l'E19, on est en régional, hein, pour le B là. Objectif à nous, pas objectif d'être champion, hein, c'est de former des 19 pour se céder à l'équipe senior, pour prendre place, si bon, pour jouer. N'empêche qu'en équipe des 19, il y a 3 ou 4 qui a joué L1. Mais c'est objectif à moi personnellement et aussi de CA, la club, la président là, c'est dernier élève. On élève. Là, il vient nous gagner, mais avec le mettre sur l'application. Avant de jouer, pour gagner tout le temps. Mais là, nous sommes en train de sortir mi-temps ou mi-temps moins. Et après, on va dire que c'est arrivé après. Hein. Mais en quelque sorte, c'est arrivé après. C'est pour nous voir l'application, pour nous mettre en jeu. Parce que l'entraîneur, c'est qu'on a assisé là aussi, qu'à garder des petits jeunes là, ça va faire nous faire intégrer le groupe là. Voilà. Alors après ça, bon, à la fin, nous recomptons les points. Si nous parmi les 4 points, mais nous recomptons les triangles, nous recomptons les carrés là à la fin. Et voilà. Mais nous n'avons pas d'objectif d'être champion en 19. Parce que nous savons. C'est très difficile pour être champion 19. Il faut regarder vous-même quand vous remarquez les changements. Nous avons un changement, deux changements. Si vous essayez l'équipe L1 là, à jouer, on ne peut pas faire de changement. Nous agissons, nous comptons. Alors, on ne peut pas dire que nous pouvons être champion. Si vous êtes champion à l'avenir, il tombe en certain nous reprenons. Nous pouvons refuser. Mais pour l'instant, nous allons jouer. C'est pour essayer de trouver sensation puis intégrer l'équipe première. Là. Oui, les 19, c'était 6e journée. Dieu merci, ça a fait une seule défaite. C'est contre Arsenal, l'équipe champion, titre là, Arsenal. Arsenal fait le doublé l'année dernière. Coupe championnat, c'était devant Arsenal. En pays dit défaite là, t'es mérité parce qu'en pâté là. En pas dit parce qu'en pâté là, il y a eu pédé. Mais, fais au quatre crier là. C'est comme maman des 11 enfants. Fais au quatre tonnes voix là. Même sans tribune là, il y a eu tonne, il y a dit, oh, coach là, Tony là. Fais nous faire attention, Tony là, au moins non. Mais bon, mais pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, c'est un petit peu de une volonté, il va venir entraîner, il est présent, il n'a pas refusé de travail, pour l'instant ça va. C'est un grand coup de chapeau pour eux parce qu'il est là, il est présent.